We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. Et bonjour tout le monde, c'est Revanzmil, et je sais pas si je mettrai cette vidéo à la suite de la première, mais ou un deuxième épisode, mais en tout cas, moi je me plais sur le jeu, j'ai envie de continuer, et j'espère qu'OBS va rester stable, j'ai pas regardé. Et on revient donc auprès de nos chalets de Noël du premier... Enfin, le premier épisode de la version bêta. Cet épisode a été plus long, on va dire, puisque... Bon, déjà, j'ai fouillé un peu, je me suis amusé. Je me suis fait avoir par le jeu. Et ensuite, je me suis retrouvé avec... avec une petite quête qui était ultra fun. Ok, c'est bon. Ouh, j'ai déjà du stuff. Il y en avait un? Ah ouais, oupla. Putain, la sensibilité de ma souris, je m'y ferai pas. J'aime beaucoup ce jeu. Les genouillères, cool. Mais c'est la guéguerre là-bas. C'était la guéguerre. Allons-y. Oula! Et les mecs, on est mortiers et tout! Putain, ça déconne zéro! Je peux aller dans le bassin? Putain, ça c'est trop bien! C'est fluide! En plus, le jeu est assez fluide, je sais pas si ça rend bien sur le record. De toute façon, je verrai une fois que. Là, ça va laguer. Ouh, là, ça lag. Là, c'est pas chez vous que ça lag. Enfin, en tout cas, je l'espère, c'est chez moi. Le chargement des nouvelles zones est toujours compliqué. Surtout que les serveurs doivent être légèrement surchargés, puisqu'on est quand même sur un jeu qui est sorti aujourd'hui. Enfin, réellement, j'en ai pas la moindre idée. Il est où? Malgré qu'il soit ultra lourd, le jeu reste quand même ultra fluide et mieux optimisé que des jeux comme Need for Speed Payback, qui est quand même très vieux et qui, chez moi, ne passe pas sur OBS. En qualité équivalente, en utilisation de RAM et de proco équivalent. TV Cop. Attends, le jeu sait que je recorde? Hein? Putain, le jeu m'espionne. T'es sérieux? T'es sérieux, TV Cop? Le jeu sait que je suis sur YouTube.
Voilà, bon, de retour. Amélioration berceuse reçue. Berceuse quoi? Attends, du calme. Voilà, hop, déjà. Déjà, ensuite. Non, c'est pas ça, c'est ça. Vêtements. Ah, j'ai juste pas le droit, d'accord. Ok, on est d'accord que. Ouais, ok. Ça a pas été encore débloqué. Tada! Ça, on peut toujours le faire, ça sert. Maison blanche, ouais, découverte, merci. Ouais, ça la gouille, ça la gouille, ça la gouille chez moi, ça la gouille pas chez vous, j'ai l'air d'être stable à 60. Cobb Denison? Cobb Denison, ok. Regarde, la boîte de réception, j'ai des trucs. Oh, ouf. Ah, oula, oui. oui. Oula, oui. Je vais pas prendre ça. Je vais voir si je peux le garder pour plus tard, si ça monte de niveau tout seul. Ça, c'est le c'est l'ultimate, hein, c'est la version ultimate. Ah, pas mal, je prends. Et on va se mettre en hazmat. Oh, la tourelle d'une chapelle romaine. Ah ouais, je veux. Oh, je veux. j'ai d'autres trucs à hazmat? Premier service, premier secours, hazmat, donne. Lunettes de service secret, ouais. Oh ouais, apparence d'armes. Et on va garder les autres. Donc, vêtements. Allez, on continue de pimp. Moi, on continue. Allez, on est un nazmat. Oh, c'est spécial. Mais au moins, ça fait agent secret. Ça fait un genre. Non. Non, 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 non. Non, enlève-moi ça tout de suite, c'est moche. Aide. Ouvre-moi ça. Agent du Ward. Premier secours, secret de service. Non. Ah ouais, secret de service, c'est bien. Secret de service. Secret de service. Ouais, secret de service. Allez, on se met en service secret. Ah, je suis à fond là. Oui? Qu'est-ce qu'il veut me dire le jeu? Non, on va laisser les lunettes comme ça, on va laisser ça là. En service secret. Merci. Service secret. Service secret. Pourquoi j'ai l'air de briller? Qu'est-ce que c'est ce bordel? Très bien comme ça. Ça fait service secret au moins. je vous préviens, je vais papillonner. Hein. Je peux pas faire autrement. Dans un aussi bon jeu, c'est impossible de ne pas papillonner. 5, 4, 3, 2. Ah, bonjour. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here. Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know
There's a new sheriff in town. Si. Descendez voir l'intendant, ok. Donc, je précise juste un petit détail. Si vous entendez un cloc. Ah, putain, ça on l'a toujours, c'est trop bien. Si vous entendez un cloc régulier dans mes records, c'est quand je coupe le micro pour qu'on ait... pour que vous ayez, en fait... Enfin, pour avoir les mêmes... Recommence depuis le début pour ne pas avoir de... parasite du micro sur les miniatures. Enfin, sur les cinématiques. Afficher tous les modes d'armement, lunettes, canon, ok, chargeur. A few moments later. Ok, de retour, je me suis pris une note pour pas vous... Pour faire une petite coupure ici. Plateforme de compétences, les agents de la division, son modèle 1, machin, variante. Ça, on l'avait vu, on doit débloquer une compétence, donc l'impulsion, la tourelle, la ruche, le lanceur chimique, le bouclier, le drone, la mine téléguidée ou la luciole. Qu'est-ce qu'a fait la luciole? C'est une plateforme? Donc la tourelle, on la connaît, l'impulsion, on la connaît, le lanceur chimique, on l'a vu dans la première version, le drone, on l'a vu aussi dans la première version, j'aime beaucoup le drone, mais j'ai envie de tester d'autres choses. La luciole m'intrigue et la ruche a l'air fun. Voyons, d'abord on va voir la luciole, oui, c'est quoi? Sectionner. Maintenez F enfoncé pour débloquer la plateforme de compétences, Renan. La luciole explosive. Donc on vise, ça sélectionne, et on lance. Et donc là, c'est quoi? Ah ouais! Ça me plaît beaucoup, ça. Voyons la ruche, comment elle marche. La ruche de heal, donc on la lance. Ok, c'est comme le kit de soins du premier épisode. Enfin, de la première version. La ruche aiguillon. On vise, on lance. Ah, ah oui, c'est bourrin. Ah, c'est bourrin. La variante, ça, ça veut dire... La variante de réanimation? Attendez. La ruche de réanimation. Waouh, c'est fumé, ça, pour le PVP. La ruche de booster. Ah ouais, la ruche est pas mal, la ruche niveau heal sera pas mal. Ensuite, on avait quoi à tester? On avait le drone, voyons, qu'est-ce qu'il y a comme variante du drone que j'avais pas pu voir dans la bêta? Le drone frappeur. Ensuite, on a le drone défenseur. Mon dieu, mais c'est fumé. Tiens, j'ai du mal à l'utiliser. Il faut viser. Ouais, il faut viser proche, moi je visais trop loin. Il est bourrin, mais il est pas mal. J'hésite, j'aime beaucoup le drone. Le drone frappeur me plaît. Mais la luciole a l'air tellement fun. Ok, ouais, on prend la luciole. Pour l'instant, on va prendre la luciole explosive. Qui a l'air très fun. La luciole explosive, fixe des charges explosives aux cibles, visée précise, visée plus E, déploiement précis, recharger, ok, on l'essayera. Une fois les compétences en 1, la compétence que vous venez d'évoquer est affectée à E. Donc, on vise, E, on cible, ok. Ouais, donc ça c'est pareil, donc on reviendra le voir à lui pour débloquer les compétences. Sachant que quand on a les points, on peut débloquer les bonus. Ça c'était pareil dans le premier. Donc on prend le premier bonus pour avoir une seconde arme. Voilà, donc là on a une deuxième arme, là on a plus de missions, etc., etc. Donc tous les bonus sont ici, auprès de l'intendant. Merde, je croyais que c'était une miniature, une cinématique. Donc voilà, les refuges, bah c'est pareil que le premier en fait. C'est pareil que la bêta, je vous laisserai regarder la bêta si vous le voulez. Donc en gros on a les refuges ici, le théâtre, entre autres. Donc avec le GPS, voilà, hop. D'ailleurs, juste par curiosité, j'ai reçu ça, mais est-ce que ça monte de niveau avec moi? Ah non, ça monte pas de niveau. Ah non, c'est... Hein?
Pourquoi ça monte pas de niveau? J'en prendrai un avec moi. Inspecter l'objet marqué comme en vue. Non, non, on prend le. J'en prendrai un, on verra bien. Je laisse l'autre de côté, au cas où. Faut garder le pouvoir, il faut être impitoyable. Absolument, Mayhem, un commissaire des Yam. Ouais. J'aurais bien aimé savoir s'il pouvait s'améliorer. On va le mettre en préféré. Hein. On va le modifier si on peut. Ah, on peut juste modifier le rail optique. Ok. Le record a l'air d'être toujours stable, donc tout va bien. On va sortir de la Maison Blanche. Ouais, donc c'est contrôlé par l'AIN, donc tout va bien, on a l'habitude, hein. On les connaît depuis le temps. Enfin, moi je les connais, ceux qui n'ont pas regardé la bêta, je vous conseille de regarder les vidéos sur la bêta, parce que c'est très intéressant. On sait par exemple quelques petites choses très utiles, comme par exemple, par ici, si je ne m'abuse, voilà. Ok, c'est spécial, mais ça a l'air rigolo. Je peux récupérer ma relique? Merci. Épée et fourreau Gorge Washington. Intéressant. Je sais pas, je sais toujours pas ce que ça rapporte. On verra bien. Malheureusement toujours pas, donc ça c'est les backups, c'est quand vous êtes en solo, quand vous mourrez, vous pouvez demander de l'aide. Oh putain, elle va être très dur à utiliser. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Au revoir. Mets-toi à côté, toi aussi. Ça explose? Pourquoi ça va exploser? Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ok. Par contre, la fluidité des mouvements est bien. La fluidité du jeu est super bonne. J'espère que le record sur le record ça donne bien parce que le jeu le mérite en fait. Moi le jeu me plaît beaucoup, ennemi non identifié bien sûr, on n'est pas encore rentré dans la zone. Ah, ok, on a une radio juste derrière nous, on va aller la voir. Donc voilà, on les voit bien. Pignata partie, Doyen prépare une attaque contre des civils. Maintenant? Attends, ils sont trop séparés. Oh, t'es sérieux? Ça va être tellement bon. Pas s'ils nous voient avant, alors baisse la tête, bordel. Regarde-moi ces zèbres qui se doutent de rien. C'est un peu le but, oui, mais merde, tu vas baisser la tête, oui. Qu'est-ce qu'on attend? Ils sont même pas armés. Ça va être une vraie foire au piñata. Si c'est des bonbons que tu veux, tu vas être déçu. Je me fous des bonbons, ce que je kiffe, c'est le moment où tu tabasses la piñata et qu'elle éclate. Enfin, une bande de psychopathes. Bon, voilà, les hyènes, sur le principe, c'est ça. C'est une très bonne introduction. Putain, 600 mètres, on en a pour une heure. Le truc que j'adore dans ces jeux, c'est juste ça. Oh, le plaisir. Le plaisir de refermer les portes. Bon, 7 mois après le premier, si vous avez un doute. Ah bah tiens. Vas-y. Ok, donc là, j'avoue, c'est fun.
Putain, j'ai peur quand j'ai un pic de lag sur mon ordi à cause du... Ah oui, c'est vrai, c'est le manifestant. Oh, y a le timing. Ah, oh, ça c'est bien, ça par contre, ça me plaît beaucoup. On s'en fout, ils sont là. On va juste penser à copieusement les ignorer. On va juste aller au théâtre tranquillement. Et on reviendra après pour se les faire. Après, si jamais il y a des missions totalement inutiles ou des petites missions, ou juste de la prise de niveau, du farming de stuff ou des trucs comme ça, je le ferai peut-être pas avec vous, je le ferai peut-être un peu tout seul aussi. Ou oh non, on va pas attendre. En fait, si on a un bon mouvement de recul, celui-là, il peut être très pratique. Et il rapporte... je crois qu'il rapporte un peu plus. Ouais, c'est pas mal. La map est vraiment bien indiquée, j'aime beaucoup. Là, tout ce qui était bon dans la version bêta, bien sûr, ils l'ont gardé, donc c'est très plaisant. C'est pas comme dans Fortnite, ils ont absolument pas écouté les gens pendant la bêta, ils ont enlevé ce qui était bon, ils ont laissé ce qui était mauvais. Puisqu'en fait, ici, on vous propose un peu de, on va dire, de, pas du théorie crafting, mais pas loin. Sur le principe, puisque vous pourrez obtenir des schémas et des trucs comme ça rapidement pour améliorer vos armes, pour améliorer votre perso. Un, deux. Vas-y. Oh la luciole, c'est trop bien. Ah c'est vénère la luciole. Ah oui, bon bah je pourrais rien faire pour Sony. Ça va aller vous? Apparemment oui. Je suis la moustache donc vous avez rien à craindre. Ah un écho. Ah bah c'est celui du premier. C'est celui de la bêta. Bon, celui-là, on le connaît. Moi, je le connais, perso, donc je le passe vite fait. Je l'ai filmé correctement dans la bêta. J'attends quelqu'un, donc je vais surveiller juste. Oui, je suis à côté d'une route, j'attends quelqu'un, donc dès que je vais entendre une voiture un peu costaud arriver, je vais surveiller. Donc vous voilà. Oui, donc en gros, c'est Matteo Ortega qui parle de la... qui panique à cause du virus, en disant... avant qu'il arrive. Puis il y a eux qui arrivent, là, les deux crétins. Ah oui, non, il est juste arrivé. Ah non, non, non. Il y en a la trajectoire, je crois qu'on voit là. D'accord, donc en gros, eux, ils étaient en train de discuter du virus. Mani Ortega et... Matteo Ortega, pendant que deux braqueurs amateurs sont arrivés, on dit file-moi ton portefeuille, je veux pas te buter. L'autre il en a rien eu à carrer, il lui a dit non non je te file pas mon portefeuille, va te faire voir et plus. Pris de panique, ils sont barrés. Ah ben Manny Ortega. Tan, tan, tan. Voilà, le théâtre. Non j'aime beaucoup, graphiquement le jeu est bien. Est-ce que je peux voir les treuils? Je veux voir ce qu'ils utilisent comme treuils. Non, non, referme, du con, referme. Non mais refermez, je veux pas sortir. Vous faites chier les mecs. Je veux voir votre treuil. Non mais je veux pas me barrer. Non mais arrêtez, ils sont chiens, ils veulent me faire sortir. J'ai pas le droit de voir les treuils, je suis dégoûté. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Il y a plein de trucs. Eh bien, vous êtes bien installé. Bon, ça s'améliorera au fur et à mesure, comme dans le premier. Sauf que la méthode pour obtenir le stuff est différente. Montez jusqu'au toit, Odessa vous attend, je suis au courant, je me rappelle de la version bêta, ça c'est exactement la même chose que dans la version bêta. Attends, attends, je peux? Merde, je peux plus.
Par contre, dans la version bêta, on voyait pas mon personnage en bas, à l'escalier. Non, je peux pas me déplacer. Au début, je pouvais me déplacer, j'aurais bien aimé pouvoir me déplacer encore. Bon, et puis merde, on va tout prendre, je crois. On va tout prendre, ça sert à rien si ça monte pas de niveau. On est d'accord, ça monte pas de niveau. Niveau 1, niveau 2. Ouais, non, ça monte pas de niveau. Voilà, et tu vas me changer. On va prendre le AK. L'AK, il va être bien. Il n'y a pas un marchand par là? Non, il faut que j'active, c'est ça? Je peux pas passer voir le marchand d'abord? Ah, si, je peux, trop bien. Ah, ça c'est pas bon, ça c'est pas mon point, par contre, je suis pas fan. Donc, ça peut dégager. Les genouillères me protègent moins. Le P416 militaire, je veux pas. La CRS, je peux pas. Ça m'intéresse pas. Ah, mais. Ouais. Oh, et puis merde, la réserve. Prends la berceuse, allez, prends tout. Donc, capacité. On peut. T'es sérieux? On peut même modder ça, mais c'est trop bien. On peut modder la luciole. Et on peut la voir de près, c'est génial. C'est excellent ça. Oh, je suis ultra fan. Et est-ce qu'il n'y a pas moyen de. Une récompense, hein? Voilà, j'ai équipé ça parce que j'ai participé à la bêta, merci. Ouais, non. Non, j'ai l'air ridicule avec ça. Et tu vas me le mettre à la place de ça. Et ça, tu vas me le mettre à la place de ça. Ok. Et c'est. Ah. Oui, j'ai pas tout à fait compris le principe des jumelles. Tout va bien. On laisse les deux améliorations. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je me suis planté de bouton, bien sûr, comme d'habitude. La berceuse. Dis-moi ça. J'ai pas le droit d'en équiper? T'es sérieux? Ah, c'est que l'un ou l'autre. Une arme exotique et un élément d'équipement exotique. Ok, d'accord. On va tester la berceuse. On va, de toute façon, on va garder les deux avec nous, on sait jamais. La berceuse a l'air très fun, donc on va la garder. Bonjour. Ouais, bah, dormez bien. Où est-ce qu'elle est? Je papillonne, mais faut quand même que j'avance un minimum. Oh, c'est triste. Y'a rien. Bon, parlons au dessin, je coupe le micro. Looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her. But I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Ouais, c'est mignon, mais bon. Tintin, mission principale, oui, cool, merci. Forteresse. Hein? Ah, ah oui. Ouais, bah ce sera pas tout de suite.
Bonjour. Progression du refuge, tout est pareil. Bon, on a un peu tout à améliorer au fur et à mesure. Ça n'a pas changé par rapport à la version bêta qui était très fun déjà. Le marchand, bah, t'es toujours le même, hein. Tu changeras pas. 165, j'ai combien de pognon? J'ai 184, donc non merci. Ok, c'est cool. Ah oui, au secours. Je crois que je m'étais glitch. Déployer corde de rappel première. Ah non, c'est la secondaire, pardon. La principale est là-haut. Oh, ok. Donc, ben voilà le théâtre. Pour l'instant, c'est dégueulasse, il n'y a absolument rien, mais ça va vite changer. Puisque normalement, je crois qu'on peut même faire une boîte de nuit. Parce que c'est bien pour le moral des gens. Ça, c'est pas un restaurant ou slash une boîte de nuit slash je ne sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est. On peut pas monter à l'étage. Ah non, je suis dégoûté. Vivement que ce soit amélioré. Ça me tarde un peu. Voyons, il me reste quoi dans l'aide? Convertir les effets visuels d'impitoyable en inflexible. Ok, voyons. Modification. Je suis pas encore à fond sur les contrôles, je comprends pas encore tout, mais voilà. Bon, en attendant, on se dit rendez-vous à l'épisode 3 pour la mission principale. Des bisous les gens, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez plus de The Division 2, j'espère en tout cas que c'est fluide. Si c'est fluide, j'ai tout gagné, et donc à la prochaine. C'était Revanche 1000, allez bye bye!